à tous, c'est Karine, ma passion d'épée. On se retrouve aujourd'hui. Ah, ça fait du bien, hein? Alors, vous avez vu, petit café, petit chocolat pour remonter le moral, parce que j'en ai besoin. Voilà. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait des vidéos, donc j'en ai dans le PC, hein. Mais entre le montage plus des choses que j'attends, des finitions, donc voilà. Très compliqué pour moi depuis 2 jours, très très angoissée parce que mon papa a son diabète qui s'est dégradé, son médecin m'a appelé, qui est mon médecin aussi, donc il connaît mon état de santé, et ce très cher et tendre médecin m'a fait une peur mais phénoménale. Donc grosse crise d'angoisse, je suis allée le voir ce matin pour avoir un complément d'information pour mon papa, et au final, oui, il y a un changement de médicament, oui, il peut y avoir des petits malaises, mais voilà. Hier, quand je l'ai eu au téléphone, c'est limite s'il fallait pas que j'aille vivre avec lui. Voilà. Donc là, pas de DP hier, pas de DP aujourd'hui, parce qu'on est le 3 décembre, il est 16h30. Mon chéri, je sais que tu passes sur ma vidéo, donc je te souhaite encore un joyeux anniversaire. Et donc du coup là je suis rentrée de la pharmacie et du centre social parce qu'il faut que je trouve un centre social pour mon papa. Voilà. Et surprise, qu'est-ce que j'ai eu? Donc je me suis fait mon café, je suis allée à la poste. Et surprise, qu'est-ce que j'ai eu? Un gros sac plein de trucs. Donc ça c'est la commande du 11 novembre. Je n'ai rien recommandé depuis le 11 novembre. Et du coup, pour finir, petit chocolat pour me remonter le moral. Hein. Voilà. Donc, on va se faire le unboxing ensemble. Logiquement, je pense que c'est tout ce que j'ai commandé le 11 novembre. Parce que vu la quantité de colis qu'il y a. Alors, le téléphone. Là, on va voir si je vais en avoir besoin. Si je peux vous donner les prix. C'est du coup, comme j'ai eu mon cadeau d'anniversaire, donc qui est mon téléphone. Mon mari m'a acheté un très joli Xiaomi Mi T10, je crois, ou Pro 10. Voilà. Il est tout beau. Donc j'ai un peu du mal, hein, parce que ça fait que 2 jours que je l'ai en main. Un tracteur qui passe. Donc je vais essayer d'aller vous donner les prix sur Ali. Donc, je pense que c'est ma commande complète. Oh, gros unboxing. Voilà. Allez, on est parti. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça? Oui, 6, ça. Je crois que non, peut-être pas. C'est peut-être pas tout arrivé. Allez, on commence par celui-là. Alors. Ouch! Mon doigt. Je me coupe les doigts. Alors oui, ceci. Ma poubelle, c'est mon sol aujourd'hui. Vous voyez, je ramasserai tout après. Je me suis commandé 2 petits piliers comme ceci. Hop là. Avec 8 compartiments. C'est quand je fais un petit peu des DP spéciaux comme les cartes de action. Où j'ai très peu de couleurs. Donc du coup, voilà. J'en ai pris 2, j'en avais pas. Hop là. Je vous bats avec mon truc. Je vais essayer de vous donner les prix au fur et à mesure. Donc, nous sommes le 3 décembre et tout a été commandé le 11 novembre. Le jour du Black Friday. De l'offre du 11 novembre. Hein. Alors, je les ai payés 1,26 €. Et du coup, au total, 2,53 €. Voilà. Ensuite. Alors, c'est très très bien emballé. Hop là. Alors, je pense savoir ce que c'est. Voilà. C'est une plaque de verre.
pour... Ah, tellement que j'ai pas l'habitude de mettre les affaires par terre, j'arrive pas à les mettre par terre. Alors par contre le papier collant, c'est une plaque en plexi plastique pour la pâte fimo. Bon. Tant donné que je n'ai pas d'ongles, ça va être compliqué de tout enlever. Donc voilà, c'est une plaque transparente, j'aurais bien aimé vous faire voir la transparence. Et ben heureusement que j'ai pas fait faire mes faux ongles. Hein. J'ai une petite jeune qui cherchait des volontaires pour une pose de faux ongles. Et c'est quelque chose que je fais en général une à deux fois par an. Et là, j'avais pris rendez-vous et du coup, j'ai dû annuler. Parce que je suis allée au médecin ce matin. Voilà. Elle est très transparente. Et avec les poses de faux ongles, j'aurais été encore plus dans la... Hein. Donc la plaque, je l'ai payée 1,14€. Il y avait des frais de port par contre, je viens de voir. Ça c'est tout moi. Il n'y a pas la taille. Ça doit être du 5,5, du 6 ou du 10. Voilà. Ensuite, hop là. Alors j'espère que je vais arriver à enlever ce scotch sur le truc parce que là... Ok, je le voyais beaucoup plus gros. Je me suis fait je le crois bien, encore une fois. Alors j'avais acheté ce petit moule avec différents modèles. Pour pouvoir donc me servir donc de l'embout qui est là hein, sur les là pour mettre sur les coupelles, voilà. Et je les voyais beaucoup plus grands, voilà. Ouais, bon, on va faire un test hein, je ferai un test à la rigueur, je vous ferai une vidéo test. Ça, c'est tout moi. J'achète et je regarde pas forcément les descriptions. Et du coup, bah voilà. Alors, il faisait voir 1,13€. Et là c'est pareil. J'ai payé des frais de port parce que j'ai payé 1,63€. Donc, voilà. Ouais, déçu. Déçu. Je pense que Virginie, t'es en train de rigoler. Hein? Elle le sent quand je suis déçue et elle éclate de rire, donc je pense que oui, tu rigoles, normal. Voilà, ceci. Ah, les petits outils. Alors pareil pour la pâte, c'est beaucoup, j'ai acheté pas mal pour la pâte fimo, hein, la pâte polymère hein. Donc, c'est des petits outils pour la pâte polymère, pour les styler. Voilà. Donc, il y a ça, on a ceci. Hop là, 3. J'équipe comme ça. Celui-là. Un petit embout petit. Là, j'ai un gros. Une petite pointe. Rien de tout. Il est strié là. Des petites choses incurvées. Donc tout ça pour la création de stylet, de... Alors, création de stylet, de coupelle et également un petit couteau. Et également, je vais essayer de faire des petits objets. Voilà. Et comme je vous ai dit, hier, pas de DP, aujourd'hui, pas de DP. Et voilà, donc il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc les 14, je vais vous dire combien je les ai payés. Allez, mon enfant. $0,97. Voilà.
Alors, ceci. Alors, celui-là, je l'ai payé 1,80 €. C'est un petit rouleau, pareil, pour la pâte polymère. Voici. Hop là, un rouleau transparent. Hop là. Bon, je vais galérer. Hop là. Voilà. Donc il va avec la plaque là. Voilà. Hop. Et donc le dernier. Donc oui, effectivement, il me reste encore des trucs qui vont arriver. Je vous dirai combien d'articles il me reste. Vous ne verrez pas ce que c'est. Alors, ce qui est quand même rigolo, hein, c'est que c'est des vendeurs différents et on reçoit dans un pack complet. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un carton avec une boîte pétale, hein. Hop là, donc ceci, tintin. Il ne va pas y arriver à l'ouvrir. Oh la bande. Et ben voilà. Des emporte-pièces. Voilà. Donc des emporte-pièces. Alors je sais plus combien il y en avait. C'est pareil. Toujours pour la création de stylets et d'objets. Voilà. Donc normalement ça se range tout ensemble. Je crois qu'il y en avait 4 ou 5 ensemble. 3 de chaque. Vous voyez, on a des formes différentes. Les petits cœurs à l'électron. Voilà. Alors ça, par contre, je crois que je l'ai payé. Alors, qu'est-ce qui me reste arrivé? Ça, je l'ai eu. Ça, je l'ai eu. Il me reste un article. Deux articles. Donc, celui-là, je l'ai payé 4,19 € et il y a 24 en porte-pièces. Je ne sais plus combien je vous ai dit. 1, 2, 3. 3 articles qui vont arriver. Voilà. Donc voilà. Donc ben, ça va sentir la création, moi je vous le dis. Hein. Donc je vous fais une petite vidéo, je pense, pour tester tout ça ensemble. Hein, on va tester tout ça ensemble. Et j'adore. Voilà, parce que comme j'ai fait ma blonde, hein, et ben, va remettre les trucs en place, ma fille. Hein. Voilà. Donc, voilà pour ce petit unboxing. Voilà. Je vous refais voir. Avec ma super petite boîte, ma super plaque. Hein. Non, mais je vous jure. Bon, je pense que je vais m'amuser un petit moment. Hein. En enlevant ça, ça colle super bien, hein. Voilà, je pense que je vais dire des petits gros mots, hein, si j'arrive pas à tout y enlever. Donc voilà, bah, les autres articles, j'ai regardé, je crois, avant-hier, ils étaient pas partis, ils étaient pris en charge par la compagnie aérienne. Donc ça, c'était arrivé en France le 28 ou 29 novembre. Voilà. Donc, après, ce que je ne comprends pas, pourquoi ça arrive tout dans un même paquet? Comment ils arrivent à identifier que ça va tout... Ou alors c'est le même vendeur, mais ça m'étonnerait quand même que j'achète. Alors à la rigueur, les rouleaux, ça, voilà. Mais les autres, ah, voilà. Je sais pas, je ne l'explique pas. Donc,
Bon, j'y arrive quand même. Ça sent relativement bien. Donc voilà, donc je vais vous la poster tout de suite, la vidéo. Je vais la monter tout de suite et je vais vous la poster tout de suite. Hormis s'il y a une catastrophe, hein, comme en ce moment je suis dans une période un peu, voilà. Vivement 2021, moi je vous le dis, parce que 2020, là, je commence à en avoir ras le cul. Voilà. On a l'impression de sortir la tête de l'eau. J'avais l'impression de sortir un peu de la tête de l'eau en début de semaine. Ben là, la tête, elle est bien repartie, hein. Je suis quand même quelqu'un de combattante, mais il y a des moments où. Putain, les caisses, c'est un tout petit peu à l'envers. Bon, c'est pas grave. Juste là dans le coin. Alors, est-ce que vous allez le voir? Non, vous n'allez pas le voir. Là où ça brille, là, elle est cassée. Un tout petit peu. C'est pas grave, je vais pas faire un litige pour ça. Donc, il y a. Bon, vous voyez, en finissant la vidéo avec vous hein, et en papotant, je l'ai nettoyé. Donc ouais, je vous ferai une petite vidéo. J'essaierai peut-être en début de semaine. Vous faire une petite vidéo avec tout ça. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt!